Ok, donc tout le monde, les gens, c'est PS3 Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve sur le serveur ZK Faction. Donc, pour l'épisode 1 du Let's Play, donc le premier épisode, voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter le spawn et ma BP. Ou alors, la BP sera peut-être la prochaine. Voilà. Donc, là, déjà, bon, là, c'est la spawn pour vous montrer le spawn. Donc, ceux qui savent pas ce spawn là, c'est un spawn de l'ancienne version de la V2 ou V3, je ne sais plus exactement. Je serai plus V2. Donc ce spawn il a été remis, hein, donc il y a eu, je sais pas si un reset, parce que je suis venu il y a quelques jours. Voilà, donc là on a rien de spécial, la TP aléatoire ici. Chaque côté, under chest, il n'y a rien dedans, je sais. Tout est dans ma BP. Donc là les spawners, d'activer. Le petit cabal. Ça il devait avoir un cheval là dedans sûrement. Donc là on est baisé, on peut pas y aller. Voilà. Donc à droite là-bas, je ne sais pas ce que c'est, il y a un dollar dessiné. Convertir son XP en monnaie. Voilà, donc de chaque côté il me semble, oui. Et là-bas, voilà. Donc ici, ils ont voulu faire en mode inspection, vous voyez le mec au milieu. Voilà. Donc bon ça. Le shop ici. Donc vous voyez, il y a des creepers à 6500. Avant de commencer, je vous dis juste que le shop, le shop, si vous voulez, la monnaie, j'ai trouvé qu'un seul moyen de la avoir pour l'instant. Je sais pas si on peut revendre des objets ou quoi. Mais j'ai vu, moi, comme je suis assez actif sur Minecraft Actual, je suis resté un petit peu sur le serveur. Et puis j'ai remarqué toutes les 15 minutes, vous aviez un peu d'argent. Donc cela n'incite pas du tout à rester AFK. Parce que de toute manière, je crois qu'il y a un anti-AFK. Et puis les modos s'en chargeront. Donc, je conseille vraiment pas à ceux qui ont des alimentations de le faire tout simplement. Donc là on commence creeper 6500, donc à peu près 1h20, 1h30 sur le serveur pour l'avoir. Voilà, donc, l'armure en diamant, épée, arc, etc. Alambic, voilà, donc tous les ingrédients. C'est un peu cher quand même, 3500. Ah ouais, mais après, enfin, je crois que c'était le truc pour faire pousser le niveau. Voilà, donc l'oration, etc. Donc je suis désolé si Minecraft est pas super joli, j'ai pas pu mettre Optifine en 1.8 parce que tout simplement je sais pas si vous avez ce bug aussi, mais toutes les 2-3 secondes, au bout d'un moment j'ai un freeze sur mon jeu. Oh putain, rec, scène nègre, hop, à bannir ce fils de chien. Donc j'ai un petit peu comme ça. Et puis quand j'ai Optifine, je ne l'ai plus. Donc je sais pas ce que c'est, si vous avez une solution. Et j'ai remarqué aussi que quand je baissais le render distance, ça le faisait plus pendant un petit peu de temps et après ça le refaisait. Si quelqu'un s'y connaît pourrait m'aider. Donc une insulte en passant. Bon ban, je sais pas si c'est moi qui lag ou le serveur, comme ça. Donc maintenant, y a plus, ceux qui étaient là aux précédentes versions, il n'y a plus l'élite donateur, ad maximum. Maintenant, c'est, vous voyez, ça fonctionne avec la ZK monnaie, vous pouvez acheter sur le site. C'est un peu comme les tokens, mais bon, c'est une monnaie, voilà. Donc, vous pouvez tout acheter directement sur la boutique du jeu. Alors, en jeu, donc vous faites slash boutique, je crois qu'on peut pas le faire sur le serveur. Si, vous voyez, donc là, donc la ZK monnaie, vous voyez, donc là. Donc maintenant le slash back et le slash magic carpet sont à acheter les commandes, donc ouais, donc là vous êtes dans le faction. Donc là voilà, slash back 1250 ZK monnaie. Donc si vous payez par Halo Pass 1500 ZK monnaie, c'est à peu près 3€ plus le prix du lapel. Et en ce moment c'est x2, donc vous en avez à peu près donc 3000 à peu près. Voilà, donc là 7500, ça fait, ouais, ça fait assez cher quand même, hein, mais bon. On a des spawners. Voilà, kit guerrier, etc. Et ceux qui sont pas là depuis les quelques versions, maintenant le kit guerrier, etc. sont à vie. Vous l'avez plus une seule fois. Les kits que vous avez qu'une fois, c'est ça. Donc là, la monnaie, etc. Peter, pack sheet,
Voilà. Après, c'est pareil pour les ZK Games, hein, un sponsor qui te laisse les ZK légendaires à vie. Donc maintenant, je crois que quand vous achetez le Super VIP, vous l'avez sur tout le serveur. KPP, Reset, qui est légendaire à vie. Voilà. Les particules que vous pouvez acheter. Les montures. Les grades. Donc le mini VIP. Là, vous avez tous les avantages. 100% des choses, etc. Les gadgets, les familiers, vaches, etc. Toujours de la ZK monnaie. Voilà. Ah, donc, table d'enchantement ici. Donc, on continue. Oh putain, ce connard. Oh. C'est bon, je vais réagir parce que ça commence à me faire chier. J'avais envie de réagir. Donc l'end, bon, allez, on va aller voir ensemble parce que j'y suis pas encore allé, ça fait un jour ou deux que je suis sur le serveur. Oh, il y a un mec en plus, bon. Je suis un peu pute à le buter. Oh, c'est intéressant tout ça. Merde. Ah, faut se calmer, Minsko par contre. Hein. Ah, il y a quelques mobs qui spawnent, donc vous pouvez activer. Ah, un petit bateau. Ok, ça je spawn, donc on va aller voir tout de suite le Nether. Je crois que je me suis fail dans ma commande. Oui, je me disais bien. Ah, c'est juste à voir qu'il y a des petits freeze, hein, c'est pour moi, je vous assure. Voilà. Nous allons tout de suite aller voir le Nether, comme je vous ai dit, hein, tout simplement. Petit lago spawn, c'est tout à fait normal. Il y a beaucoup de joueurs qui sont AFK. Ah, le Nether. Donc, c'est déconseillé de faire des bases là-dedans. Parce que ça doit être bonne, vite fait, bien fait. Aïe, aïe, aïe. Oh, l'handicapé. Oh, mon joli stuff. Mais non, je vais mourir en live, les gars. Et vous voyez, les gens, je crois que ça me refait le freeze même sans Optifine. Je vais te rendre à 2 pour plus que j'ai le lag. Et regardez, je vais le remettre à 8. Je vais freeze, vous allez voir. Moi que c'était un bug. Ah non, c'était un bug d'entrée du Nether, je n'ai rien dit. Vous voyez le serveur lag. Ouais, donc le Nether, bon, tout le monde connaît le Nether après entre nous. Hein. Donc si je vais mourir, je vais pleurer. Voilà. Donc on va continuer la présentation du spawn. Donc, je vais tout vous présenter sur Flower Zone parce que j'ai tout simplement pas de spots. Voilà. Ah, petit message Steam. Je sais pas qui c'est. Donc ceux qui jouent sur BO3 Steam ou GTA 5 ou... ouais aussi GTA 5 ou... comment ça s'appelle? Ou CSGO, ajoutez-moi mon PSN, c'est XedoxHD. Je crois que je l'ai déjà modifié dans la description, donc vous êtes dans la description et puis vous prenez. Ah, c'est le petit bug au spawn. Alors, les commandes utiles en faction, donc ceux qui s'y connaissent pas trop, regardez. Hein. Donc, normalement, les soucis de lag sont réglés à Noël si j'arrive à avoir ma carte graphique. Déjà, je me suis mis 16 Go de RAM au lieu de 8. On avait 8 avant, mais bon, sur le nouveau jeu qui vont sortir, ils vont demander beaucoup plus de RAM. Ma carte graphique, si je peux, je prendrai la 1060, qui est une super... je parle la version 6 Go. À 300 et quelques, j'en ai vu une qui est garantie 5 ans. 320, donc voilà. Et vraiment une bonne puissance. Ici, on est aux enclumes, etc. Bah, un petit cactus, les gens. Et puis là, tout simplement, la Warzone. Donc pour voir la Warzone, je vous conseille juste de venir sur le serveur, donc 2-3 Tipeee là-bas, pour vous le voir, pour vous voyez le reste. Bah, rejoignez-nous sur ZK Faction tout simplement, je vais vous mettre l'IP en haut à droite durant toute la vidéo. Normalement elle a été mise pendant toute la vidéo, sinon je vous la mets maintenant. Voilà, bref, donc juste un petit aperçu de ma BP vite, enfin de mes hommes. Mais de toute façon je crois que mes hommes, c'est quand j'ai débuté le serveur, il n'y a rien d'intéressant. Un petit freeze du serveur, malheureusement. Ce serait un peu con de crasher comme la dernière fois.
Donc soyez présents, il y a beaucoup de petits events sur le serveur, il y a beaucoup de gens qui quittent le serveur. Pas, mais genre qui se débarrassent de petits stuff. Donc genre, vous êtes quelqu'un qui est vraiment pas prêt à acheter un grade et puis vous voulez un peu de stuff, bah souvent il y en a. On va diriger des stuff P2, P1. Des fois même des events P4. Pas forcément des gens qui livrent, il y en a qui ont vraiment beaucoup de stuff et ils jettent. Déjà que la version précédente, le stuff était assez simple à avoir. Maintenant, avec l'équipe guerrier, etc., si vous êtes plus dans une BP à l'avoir comme moi et Gunter, bah ça va très vite. Ensuite, slash homme, voyez, bon, y'a rien. Ouais, franchement, ouais, home sky, je vais me faire une sky, mais non. Donc, je monte ma BP vite fait. C'est une base no claim, mais elle est vraiment provisoire. Voilà, je l'ai mis en opsi vite fait, ou alors peut-être je garderai ses coordonnées et puis je la ferai en opsi avec de l'eau. Bon, je vous montre au pire, je peux vous montrer rapidement. J'ai un petit stuff, un P4, 3. J'ai pas que du P4, hein, je m'en vante pas. Je vous montre un peu rapidement. Et durant ma prochaine vidéo, tout sera classé. Donc je vous rappelle que malheureusement maintenant, ce sera qu'une vidéo par semaine. Parce que là, je suis en troisième, le brevet, etc. J'ai pas le time. Vraiment pas le time. Voilà. Donc sur ce les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant une prochaine vidéo, moi je vous dis ciao tout le monde, portez-vous bien et salut.